Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo Master of the Universe. Eh bien, il y a eu pas mal d'infos qui sont tombées. Alors, la première, eh bien, c'est vous dire qu'on a eu des visuels sur la prochaine boîte de la vague 4. Même si on a déjà eu les figurines, eh bien, on va voir ces mêmes figurines, mais cette fois-ci peintes, on va dire, et bien sûr, voir le contenu de cette nouvelle boîte qui arrivera dans quelques semaines, quelques mois, dans nos contrées. Et puis l'autre information importante, eh bien, c'est pour vous dire que pour tous les tournoyeurs, eh bien, Arkon Studio nous a préparé un pack de tournois, donc disponible pour les organisateurs de tournois, avec de superbes récompenses. Et je vous propose que l'on voit ça juste après le générique. Allez, c'est parti. Commençons donc par les visuels de cette vague 4 qui nous ont été montrés. Alors la première, c'est le dos de la boîte qui nous indique complètement ce qu'il va y avoir dedans. Donc il va y avoir un livre de règles, un manuel bien sûr de montage pour les figurines, donc bien sûr avec les plaquettes de construction bien sûr de ces mêmes dites figurines, les terrains et bien sûr tout ce qui est accessoire et 37 cartes. Donc 37 cartes, ça veut dire les profils, les différentes armes, des nouvelles cartes de destin. Et donc vous voyez, il y a vraiment pas mal de choses pour cette nouvelle faction. On voit les figurines qui sont peintes et d'ailleurs on les voit un peu mieux dans les images qui vont suivre, à savoir celle-ci. Donc on voit Hordak, on voit les quatre personnages principaux, puisqu'on les a, je les ai détaillés si vous avez vu ma dernière vidéo, avec un petit peu le teasing du gameplay de ces personnages. Donc avec Hordak qui va se booster avec quand des alliés auront été assommés, donc éliminés, hein, autrement dit. Le gros bourrin à côté qui va faire de gros dégâts. La sorcière et puis l'autre qui, en défaussant des cartes, va donner aussi quelques capacités. Donc voilà, donc on a ces quatre figurines principales et on a bien sûr les autres avec les quatre figurines que la faction va pouvoir se débarrasser assez facilement, puisque comme vous l'avez pu le voir, elles sont là pour comboter et lancer les tricks, les combos avec les autres, les quatre personnages principaux qu'on a vus juste avant. Donc vous avez pu voir, voilà, ils sont là, les deux spectres, les deux combattants, les deux soldats. Donc voilà. Et puis vous voyez, ils sont quand même, en tout cas pour les soldats, sont bien différents pour pouvoir les différencier. Donc ce qui est plutôt pas mal. Donc voilà, c'est plutôt sympathique. Et puis ensuite, on a les deux décors, les espèces d'arbres un peu abîmés qui sont disponibles. Et puis, je crois qu'il y en a encore une, voilà, où on voit effectivement là tout ça mis sur un plateau de jeu pour vous montrer un petit peu la taille et en réel ce que ça donne. Donc, vous voyez que les arbres, on peut noter déjà que les arbres sont aussi grands en termes de taille que les décors du plateau, c'est-à-dire les murs. Donc ça, c'est une bonne indication aussi sur ce que cela va impliquer en termes de jeu. Donc voilà, donc on a un bon tour sur cette nouvelle boîte qui se fait de plus en plus pressante et qui va arriver, j'espère, très prochainement sur nos contrées. Deuxième info, deuxième nouveauté ou deuxième annonce, on va dire, de Arkon Studio, c'est le kit de tournoi pour les tournoyeurs. Alors on vous propose, voilà, on vous montre ce qu'il y aura à récupérer par les organisations de boutique. Donc vous voyez, avec une plaquette champion of Eternia pour le gagnant, des petits trucs bonus à gagner, des tokens de mana, voilà, de différentes couleurs, ça c'est plutôt bien. Donc on vous montre le détail, donc le pack qui est à récupérer par les boutiques ou en tout cas par les organisateurs de tournois, donc voilà, à récupérer. Et puis on vous montre ce qu'il y a à gagner là-dedans. Donc vous voyez, on a vu ça. On a les tokens de mana, donc ils expliquent pour le troisième, quatrième, des tokens de mana en plastique.
On a également des colorés métalliques en plastique pour la deuxième place. Et donc ça, c'est plutôt pas mal. Et pour la première place, on a également des figurines exclusives avec Musclor Iman avec sa monture ou Skeletor avec une monture. Donc vous voyez que c'est des figurines qui sont plus imposantes et bien sûr avec les profils qui sont effectivement donnés avec. Donc voilà, et donc on vous explique après si vous êtes vous-même organisateur de tournoi, voilà la démarche à faire pour récupérer ce kit de tournoi. Donc vous voyez vraiment pas mal de choses intéressantes qui arrivent. Voilà, la vague 4 qui se fait de plus en plus précise, le kit de tournoi qui arrive. Donc maintenant, organisateur de tournoi en France, n'hésitez pas à vous faire savoir, à vous faire connaître. N'hésitez pas également à me le dire, je relaierai. Et puis, attendez-vous à ce que du côté de la boutique partenaire MaxiRev, on vous fasse quelque chose aussi dans les prochaines semaines. Voilà, donc n'hésitez pas non plus à aller faire un tour chez MaxiRev si vous ne l'avez pas, n'y êtes pas encore allé, puisqu'il est bien fourni en Master Auxiliaire Battleground, donc n'hésitez pas. Et puis si vous n'êtes pas encore, n'avez pas encore de compte premium chez lui, à la boutique, n'hésitez pas à dire que vous venez de la part de la chaîne et vous passerez déjà en compte premium et vous aurez du coup 10% sur vos commandes. Voilà, ça c'est fait. Je vous souhaite à tous une bonne journée. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne, à me retrouver également sur la scène Twitch où il y aura certainement également du contenu Master of the Universe de temps en temps. Et puis quant à nous, on se retrouve pour plein d'autres vidéos, annonces, tournois, rapports de bataille pour Master of the Universe Battleground. Merci de m'avoir suivi. À bientôt tout le monde. Ciao, ciao.